J'espère que vous allez bien. Je me porte super bien. Bienvenue dans le cadre de cette nouvelle édition, ce que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, la ponctualité. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je disais à l'entame de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la ponctualité. L'expérience a montré que nous, les Africains, nous sommes réputés dans le retard. Chez nous, en Afrique, lorsqu'on t'invite à une cérémonie, il est marqué sur le billet que la cérémonie commence à 18h. Sauf que la cérémonie en elle-même finit par commencer à 20h et les invités se pointent à 22h, ce qui est facilement justifiable et acceptable chez nous. Contrairement aux Américains, lorsqu'une cérémonie doit commencer à 17h, déjà à 16h45, les invités sont bien installés. À 17h05, la cérémonie commence tôt et elle finit à temps. Vous devez savoir qu'aux États-Unis, le temps, c'est de l'argent. Les Américains le disent d'ailleurs, si tu arrives à un rendez-vous 5 minutes avant, tu es déjà en retard. Alors, si tu as un rendez-vous professionnel ou médical, tu te dois d'être là 15 minutes, voire 30 minutes avant l'heure de ton rendez-vous. Pour ceux d'entre eux qui sont un peu patients, peuvent patienter pendant 15 minutes. Et après cela, si vous n'êtes pas là, votre rendez-vous est tout simplement annulé. Beaucoup pensent que la ponctualité, c'est arriver à l'heure ou avant l'heure. Mais non, la ponctualité, c'est arriver au bon moment. Et pour cela, il faut savoir manager de son temps. Et cela demande un engagement de votre part. Aux États-Unis, le retard coûte cher. Votre réputation en prendra un coup. C'est d'ailleurs la première marque de discipline. Sachez que on ne fait pas confiance aux gens qui viennent en retard. Le compositeur américain Harold Jacob Robb disait « L'ennui avec la ponctualité, c'est qu'il n'y a jamais personne pour l'apprécier. » Alors, pour tous ceux d'entre vous qui souhaitez immigrer vers les États-Unis, s'il vous plaît, tâchez de commencer à travailler votre ponctualité dès maintenant. Moi aussi, j'y travaille encore. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de le mentionner en commentaire, abonnez-vous, likez et partagez. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres plateformes, Instagram, Facebook, TikTok, au nom de Hidden Lin. Bye bye, rendez-vous dans une nouvelle autre vidéo.